Aujourd'hui, nous allons voir comment régler ce problème qui est apparu récemment lorsque vous essayez de partager du contenu, par exemple, que vous avez publié sur une page Facebook, une page business que vous gérez. Ce qu'on a maintenant, c'est ce problème. Le profil n'est pas associé à une page déléguée. Le profil doit toujours être associé à une page déléguée. Donc ce problème, maintenant, apparaît sur quasiment toutes les pages Facebook. Ça a commencé au départ, il y a quelques, mois, enfin, plutôt il y a 1 an ou 2. Seulement sur les pages donc, qui avaient été migrées à ce nouveau système de gestion des pages par les profils. Et donc maintenant, ça apparaît quasiment à tout le monde. Donc je vais vous montrer comment. Alors en fait, il n'y a pas de solution, mais on peut passer au travers, on peut faire autrement. C'est un peu buggé, c'est plutôt mal pensé. Il n'y a pas de solution directe, mais on peut passer à côté de ce problème. Donc je vais vous montrer comment. Donc par exemple, si comme moi, vous avez publié un article, vous voyez un article qui vous intéresse, vous voulez cliquer sur le bouton partager sur Facebook. Donc, ce qu'on fait à l'époque, on change entre partager sur le fil d'actualité ou dans la story, partager sur le journal d'un ami, partager dans un groupe, partager dans un événement, tout ça va. Mais le bouton qu'on utilisait avant, partager sur une page que vous gérez, donc pour faire vivre tout simplement la page Facebook qu'on a créée. Donc avant, on appuie là-dessus, très simplement. On choisissait sa page, donc par exemple ça c'est ma page, et on a collé le texte qu'on voulait écrire en partageant la page. Et donc avant ça marchait très bien, on était connecté avec son profil personnel de Facebook et on pouvait partager directement sur une page. Mais maintenant ce qui se passe quand on veut publier sur Facebook, voilà donc on a l'erreur, le profil n'est pas associé à une page déléguée, le profil doit toujours être associé à une page déléguée. Et on ne peut plus partager. Donc, comment faire? Alors, je vais vous montrer ici une manière détournée en fait d'effectuer cette action. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas vraiment de solution. C'est plutôt un peu buggé puisqu'ils n'ont peut-être pas encore pensé à ça. Mais donc, ce qu'on peut faire, c'est donc on ouvre son Facebook. Hop, on va simplement sur la page d'accueil de Facebook. Ok, je quitte le partage. Donc, on va sur la page d'accueil de Facebook et ici, on clique en haut à droite. Voilà, on clique sur son profil. Hop. Voilà, donc on clique sur son profil et on appuie sur voir tous les profils. Et ici, on peut choisir son profil. Donc on choisit sa page, le profil de sa page. Voilà, et donc ici, on a basculé sur la page. On agit désormais en tant que le nom de la page sur Facebook. Donc avant, il fallait. Avant, on pouvait simplement partager sur une page dont on était administrateur depuis son propre profil. Mais maintenant, donc, voilà, il faut basculer le profil, donc il faut switcher le profil depuis son profil personnel vers le profil de la page sur laquelle on veut partager. Et ensuite on peut partager, donc ici je colle ce que je voulais partager, voilà. Et donc on colle ce qu'on voulait partager et maintenant on a accès à la publication, donc on peut rajouter des photos, vidéos, on peut rajouter humeur, activité, etc. Donc en fait on agit comme on agissait avant sur notre profil personnel, mais cette fois sur la page qu'on a créée. Voilà, donc c'est pas forcément ce que la plupart d'entre nous veulent faire, mais maintenant c'est le seul moyen de poster, donc sur d'interagir en fait avec une page que l'on a créée, dont on est administrateur. Et voilà. Et donc ensuite, on peut appuyer sur publier. Et voilà, et là la publication va passer, donc la publication qui ne passait pas avant, qu'on ne pouvait pas partager depuis une autre page web, comme on avait l'habitude de le faire en utilisant la fenêtre de partage classique de Facebook. Donc maintenant elle ne peut plus que partager sur le profil pour lequel on est actuellement connecté. Donc par exemple, maintenant si je supprime cette publication puisque j'ai déjà publié, hop, voilà, donc je la supprime, juste pour vous montrer. Donc je supprime cette publication, je suis maintenant connecté avec ma page ici. Je ne suis plus connecté avec mon profil personnel mais avec ma page. Et si je retourne sur mon site web et sur l'article que je voulais partager, si je clique sur mon bouton partage Facebook, et que maintenant, hop, je clique sur partager, donc maintenant, l'option par défaut de partage sur le fil d'actualité ou dans la story va marcher pour partager sur ma propre page, ou en tout cas la page dont je suis administrateur, mais avec laquelle je suis actuellement connecté pour interagir sur Facebook. Donc je vous montre, voilà, je publie sur Facebook et cette fois ça marche, je n'ai pas l'erreur que j'avais avant. Voilà, donc effectivement c'est plus compliqué, c'est plus long, on n'aime pas ça, mais pour l'instant c'est comme ça, donc puisque il n'y a pas pour l'instant de moyens de paramètres sur la page
en fait, pour permettre à un compte associé, même simplement, de partager, puisque les comptes associés, c'est Instagram, WhatsApp, mais ce n'est pas les comptes personnels Facebook. Donc, pour l'instant, voilà, c'est le seul moyen de faire en attendant que ça soit réglé. On l'espère, bien sûr. Mais voilà, donc pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est switcher de profil sur Facebook, donc aussi bien sur le site si vous êtes sur votre ordinateur en haut à droite, et si vous êtes sur téléphone portable, c'est aussi possible. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est donc d'ouvrir Facebook sur téléphone, d'appuyer donc pas tout à fait dans le coin en droite, juste en dessous sur la barre de menu Facebook, vous avez votre icône de profil et vous avez le même menu qui s'affiche ici où vous avez donc votre profil personnel si vous êtes dessus et un bouton voilà pour basculer sur un autre profil que vous gérez et voilà donc ensuite vous pouvez aussi avoir tous les profils en appuyant sur la petite flèche et vous pouvez choisir le profil avec lequel vous voulez interagir. Donc voilà, donc maintenant il est plus possible d'interagir depuis un profil sur un autre comme si c'était le sien, il faut d'abord basculer sur l'autre profil pour pouvoir interagir comme on le souhaitait au départ, en fait simplement partager, juste partager un lien, partager une image, voilà, quelque chose qui était simple et efficace maintenant est devenu compliqué effectivement et il faut plein d'étapes mais voilà. Donc pour l'instant en tout cas c'est comme ça, c'est le nouveau système de gestion des pages mis en place par Facebook qui oblige à faire ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager. Et en tout cas, bonne chance à vous. Effectivement, c'est un peu de temps perdu, mais bon, pour l'instant, on n'a pas le choix. Donc bonne continuation et en espérant que Facebook règle ça bientôt. Merci.